Bonjour à tous, bienvenue dans le journal créatif du Fil de Grand Parc, le numéro 52. Je m'appelle Sabine, je viens ici dans la pièce à l'étage. Je finirai sûrement cet épisode plus tard à l'extérieur, car nous sommes le samedi 14 octobre. Il fait toujours aussi beau, même en Normandie. Donc voilà. Donc je viens quand même quelques petites minutes pour vous parler de mes loisirs créatifs, et notamment d'un projet qui me tient à cœur, que je viens de terminer, au tricot. Sachez qu'ici, sur cette chaîne, vous trouverez du tricot, du crochet, de temps en temps de la broderie, et aussi un petit peu de couture. Donc là, je vous parle tout de suite d'un châle, je vais l'appeler le châle Chantal, donc que j'ai créé, accessible débutant, pas peut-être premier projet, parce que il y a des augmentations, il faut placer des marqueurs, ce n'est pas que des points en droit, il y a points en droit, points en vert, donc voilà. Bon, des grands débutants, on va dire. Donc je vais reprendre mes lunettes, mais je les ai enlevées parce qu'il y a un reflet, j'ai baissé un petit peu le store, hein, parce qu'il y a beaucoup de soleil, et que dans l'autre côté de la pièce, c'est le Bronx, donc je me suis mise de ce côté-là. Bon, je me retourne, je vais prendre sur Germaine le châle terminé. Alors, ce châle a été tricoté en laine à teindre Katia, 80% mérino, 20% lin. Le lin, c'est chaud et ça régule de la chaleur et ça tient aussi chaud. Donc, je trouvais que c'était une bonne... Un bon intermédiaire, et puis surtout comment vous expliquer, assez souple, voilà, assez souple et pas mou comme le mérino tout court. Donc j'ai utilisé 3 écheveaux, il me reste quelques grammes. Là, aux grosseurs du fil, c'est de la Deca. Je l'ai tricoté en aiguille 5. Et voilà ce qu'il donne. Alors c'est vraiment un châle couvrant. Donc là où j'ai eu du mal en fait, c'est de répartir les augmentations de façon homogène pour que ça tombe clairement, correctement sur les épaules. Vous voyez, dès qu'on le met, même si là j'ai cette petite qui ne va pas du tout avec. Voilà, donc ça tombe sur les épaules complètement bien. Je vais baisser un petit peu. Bon, que vous le voyez un peu mieux. Voilà, déjà, vous voyez, moi je le porte comme une cape. Voilà, je le descends un petit peu pour que vous voyez jusqu'où il m'arrive, sachant que je fais 1m72. Je crois qu'on y est, je me mets sur la pointe des pieds. Voilà, donc le voici. Avec la pointe derrière ici. Voilà, une fois qu'on le porte, on ne se préoccupe plus de comment je vais remonter. Donc, une fois qu'on le porte, on ne se préoccupe plus que de comment on le porte. Il est fixé avec un petit bouton que j'avais acheté d'ailleurs au CSF il y a 2 ans avec Nadia. Coucou Nadia. Je ne sais pas si tu te souviens, si tu regarderas cette vidéo déjà. Donc je m'adresse à toi, mais c'était dans le stand vintage un petit peu. J'avais acheté des petits boutons en nacre. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Voilà. Donc voilà, hein, cette augmentation. Donc on augmente là, on augmente là. Et on augmente derrière. Tout simple, en jersey. On termine avec... Alors, je ne l'ai pas encore fait tester. Hein, j'appelle justement aujourd'hui aux testeurs et aux testeuses. Tout simple, en jersey. Et on arrive à 404 mailles sur les aiguilles. Voilà, je ne dis pas après combien on démarre. On arrive à 404 mailles. Cette bordure se construit en même temps que le châle. On vient reprendre ici une petite bordure maille serrée au crochet et hop, on peut terminer, je le proposerai par une bordure toute simple en I-cord, pourquoi pas sur 3 ou 4 mailles, mais moi je termine par une bordure, excusez-moi la manucure,
Je suis pas encore passée, généralement c'est le dimanche matin, et là on est samedi. Alors voilà, donc on fait deux rangs de mailles serrées. Après c'est vraiment tout simple. Ce sont des brides, des mailles en l'air qu'on décale et on termine par un rang de mailles coulées. Tout simple. Ensuite, j'ai fait quelques broderies ton sur ton. Avec des petites... alors, j'ai deux sortes de broderies. Mais celle-ci est beaucoup plus jolie que celle-ci. Donc, sur le patron, je ne proposerai que ces broderies-là. Qui sont très simples. Alors, je voulais tourner un tuto pour ces broderies. Quand je suis allée traîner sur YouTube et j'ai marqué broderie... qu'est-ce que j'ai marqué ? Broderie fleur sur tricot. Je suis tombée sur une multitude de très bons tutos, dont Drops, dont aussi la bagoulette, si vous connaissez. Donc franchement, dans le patron, je vous renverrai vers ces tutos. Drops, comme c'est gratuit, je vous renverrai vers le tuto de comment à l'aiguille faire ces petites broderies. Alors moi j'ai choisi de le faire ton sur ton parce que je pense que je vais le porter sur une robe l'hiver ou même à la maison. Et franchement, même vous voyez cet après-midi pour sortir, voilà, je suis bien quoi. Vraiment, je suis bien. Alors la boutonnière, comment elle s'effectue? Eh bien on n'en fait pas parce que quand on a les petits jutés, ça suffit largement en déca pour mettre son bouton. La bordure ici sera un petit peu plus longue. Là, il y a trois mailles. Je pense que j'en ferai une quatrième dans le patron. Voilà. Donc, je vais appeler au test pour ce châle Chantal. Ce que j'aimerais trouver, c'est des testeuses qui ne sont pas intéressées par la broderie et qui voudraient le faire avec une laine dégradée, toute simple, terminée par un I-cord. Pourquoi pas ? Après, d'autres personnes pourraient être intéressées par une laine un peu chamarrée ou avec des speckles. Et pourquoi pas faire des broderies en couleurs plus contrastantes. Pourquoi pas? J'ai longtemps hésité à faire les broderies avec carrément une couleur contrastante. Après, pour le porter au quotidien sur n'importe quel vêtement, c'est plus difficile. Donc, parce que j'avais teint de la laine à l'oignon, un joli kaki, ça aurait pu être très joli. C'était mon idée de départ. Et puis, je me suis arrêtée là. Alors, si vous avez remarqué, derrière, je n'ai pas mis de broderie. C'est un choix. Voilà, c'est juste la petite touche. Voilà. On reste dans la sobriété, dans le châle qui peut se porter au jour le jour. Je suis très contente du résultat. J'avais fait un châle Canada au crochet avec la chaîne Lydia Tricot Crochet. Mais il fallait mettre quelque chose pour l'accrocher et il ne tombait pas assez. Là, j'ai vraiment trouvé la mesure qui fait... Alors, c'est pour ça qu'au début, lors de la dernière vidéo, j'ai dit capeline, chaque capeline. Je vais redescendre un petit peu pour vous le montrer en entier. Voilà. Je vais vous mettre trois. Ce n'est pas évident. Mais vous n'êtes pas droit. Bon, je refais un petit peu. Voilà. Mais là, vraiment. Voilà, j'ai un jean et puis bon, voilà, c'est cool. Mais franchement, voilà, j'ai pas mis trop de fleurs. C'est juste une petite touche. Pour se promener avec une petite robe. J'adore. Vraiment, j'adore. En tout cas, je suis fan. J'espère que ce modèle vous plaira. J'espère que je reviens vers vous. J'espère que j'aurai quelques tricoteuses intéressées pour le tester. Parce que mettre que ce soit voilà, le dernier patron, les tournicotis, je l'ai mis en ligne gratuitement, mais j'estime qu'il ne faut pas mettre n'importe quoi en ligne, donc il faut le tester. Et celui-ci, c'est pareil, j'aimerais vraiment qu'il soit testé par une ou deux personnes, au moins. Peut-être une personne qui va prendre une couleur dégradée pour voir le rendu. Je pense que ça va être très sympa. Après, faut pas avoir peur de la mer de Jersey. Hein. Ceux qui aiment pas la mer de Jersey vont s'ennuyer. Après, si vous n'êtes pas crocheteuse, concernant la bordure au crochet qui est d'une simplicité, voilà, et que vous n'avez pas envie de ce petit effet. Alors moi, j'ai fait des petits
des petits trous pour rappeler en fait toutes les augmentations du châle, hein, tout simplement. C'était un petit rappel, mais je tenais vraiment que dans ce projet, on allie différentes techniques de création, hein, et le crochet, les tricoteuses qui utilisent le crochet pour faire des montages provisoires, etc., savent manipuler un minimum, mais je pense qu'elles peuvent s'en sortir tout à fait. Voilà, les deux rangs de mailles serrées, je trouve que ça fait une jolie bordure. Alors, pas suffisante, hein, une fois qu'on a ces deux rangs de mailles serrées, ça roulotte encore, il faut encore ceci. Après, vous avez une troisième alternative, si vous n'aimez pas l'i-cord, c'est faire tout simplement une dizaine, ce que je mettrai dans le patron, une dizaine de rangées au point mousse. Ça va être énormément long, mais au moins, c'est énormément efficace. Voilà. Voilà, voilà, pour le châle Chantal, je vais vous laisser là, j'ai encore des choses à vous montrer, mais je vais aller crocheter, et je vous dis pour vous, à tout de suite, et pour moi, sûrement à demain, au soleil dehors, j'espère, tout de suite. Eh bien, coucou, toujours le même haut, nous sommes le dimanche, un jour s'est passé entre, c'est le haut de la maison, samedi sortie, changer de vêtements, mais là, dimanche, on finit de salir le petit haut burda que je m'étais cousu au printemps, au printemps dernier. Dimanche aussi, donc séchage en pleine journée des cheveux qui commencent à être un peu longs, un peu trop longs, voilà, à l'air, sans utiliser le sèche-cheveux. Voilà, alors je reviens vers vous, j'aurais aimé tourner dehors au soleil, j'aurais pu le faire ce matin, mais j'ai pas eu le temps, j'ai fait plein de petites choses. Et du coup, là, c'est en train de se couvrir juste quand je commence, quand je décide de venir vous voir. Et il est dimanche 15, 13h17 exactement. Alors, qu'est-ce que j'ai fait depuis la semaine dernière? Je vous avais quitté la semaine dernière. On reviendra sur le châle Chantal. Après, mais je vous avais quitté la semaine dernière en disant que je tricotais quelque chose avec des aiguilles, numéro 8. Et donc c'était vendredi dernier, je l'ai terminé samedi dernier. Voilà ce que c'est. Ça plaisante pas. Hein. Là, avec ça, on est couvert. Alors, ça s'appelle The Montana Hat and Call in Super Bulky Yarn. Alors moi, j'avais pas la Super Bulky Yarn, j'avais. Voilà, je me sers. Hop, comme toujours, j'ai pas tout préparé. Il y avait, j'avais de la Bergère de France Baronval qui se tricote 125 mètres environ pour 50 grammes, qui se tricote soi-disant en 3,5. Et puis à Nose, il y a trois semaines, j'étais allée à Nose, à Saint-Contest. J'ai acheté de la laine. Alors, j'ai tout traduit, hein, parce que ça vient de Chine. Il y a de la du yak, 25%. La laine, 50%. Et de l'acrylique, 25%. Et ce qui est intéressant, c'est que ça se lave à la machine, parce que c'est pour ma fille. Donc, j'ai mélangé ces deux laines-là. Je suis arrivée à l'échantillon demandé moins une maille, donc du coup j'ai rajouté au montage de mailles, c'est un patron payant donc je vais pas tout vous dévoiler, j'ai rajouté 4 mailles pour dire voilà. Alors c'est super fun à faire, je vous l'enfile, je sais pas si vous allez me reconnaître du coup. Donc on peut le porter en col, en super col, du coup. On peut cache-nez, et puis alors là, la totale. Voilà. Il n'y a aucune couture. C'est génial. On commence par faire la capuche, je vais l'enlever. On commence donc par faire en aller-retour, il me semble. Je ne vais pas tout dévoiler du patron. On commence à coudre la capuche. Ensuite, écoutez, on fait ceci.
une sorte de petit col sur l'épaule, et on vient à l'envers reprendre des mailles pour faire le cache-nez en fait. Alors, est-ce que je vais arriver à vous montrer ça? Je ne sais pas trop. Il faudrait que je le mette à l'envers. Le cache-nez qui est là. Voilà, je vais y arriver. On vient à l'envers, ici, reprendre les mailles et faire le cache-nez. C'est vraiment très, très, très... Ben, voilà, je l'ai fait, j'ai commencé peut-être jeudi soir, enfin, j'ai terminé samedi. C'est très bien tombé parce que c'est le week-end dernier à la maison. Ma fille a reçu deux jeunes étudiantes norvégiennes et une suédoise. Et les Norvégiennes étaient jalouses, presque, en disant, pas jalouses, en disant « Ah, mais c'est top, c'est vraiment le truc qu'on met en Norvège. » Voilà. Alors, c'est pas destiné à partir en Norvège, c'est destiné à partir en Finlande, parce que ma fille part 5 mois en Finlande, et à partir du 1er janvier. Donc, j'avais envie qu'elle soit bien couverte. Je pense que je lui en retricoterai un autre, parce que bon, bah, si ça prend la pluie, au bout d'un moment, même si c'est épais, le temps qu'elle le lave ou que ça sèche, elle en aura un second. Donc voilà, ce Montana Hat and Coal in Super Bulky. Alors nous, c'est peut-être pas spécialement pour aller en Finlande, mais peut-être que ça peut vous donner l'occasion de tricoter ça pour aller au sport d'hiver. Quelqu'un qui est très frileux, avec qui fait du vélo aussi. Là, je pense qu'avec ça, on craint rien. Et puis surtout, c'est pas qu'un bonnet, il y a ça qui tient vraiment chaud dans le cou derrière, qui tombe sur les épaules. Je pense que si vous vraiment le tricotez en bulky, ça sera un petit peu plus grand, parce que je vous remontre à la photo du modèle. Vous voyez, ça peut descendre beaucoup plus sur les épaules, être beaucoup plus un petit peu loose. Après, un petit peu loose, il y a aussi de l'air qui passe. Donc à voir, moi je pense que ça correspondra bien. Donc de Montana Hat Coal, hein, je mettrai le lien direct si vous voulez acheter ce patron sur Ravelry. Je me souviens plus, mais je crois que je l'ai acheté 7 euros et quelques. Mais franchement, très très bien expliqué. Alors en anglais, par contre, seulement en anglais. Je voulais vous voir aussi parce que je vous ai montré, présenté mes chaussettes Seran Socks avec l'arbre là, avec... que j'avais fait avec le coton Cotton College et la Mondime de Rosaria Pomar. Et bien voilà ce que sont devenues mes chaussettes. Ils se sont très 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 bien défaites vendredi soir, le temps d'une mi-temps de football. Je voudrais vous dire 45 minutes. Alors j'ai mis une semaine pour faire mes deux chaussettes, mais par contre j'ai mis 45 minutes pour les détricoter. Il me reste ça de la pointe, au début j'arrivais pas, donc j'ai coupé, puis je suis arrivée à rattraper. Je vais pas y arriver, je suis arrivée à rattraper mes fils. Je vais les recommencer, parce que franchement, garder une paire de chaussettes pour faire décoration dans une pièce couture où j'y suis pratiquement pas, ça m'agaçait un petit peu. Là on dit, voilà, c'est de la super laine. Celle-ci qui vient des États-Unis, bah, j'avais envie quand même qu'elle me serve vraiment concrètement. Donc j'ai défait. Alors je ne vais pas dire que je vais la refaire tout de suite, mais je les referai, ça c'est sûr. En tout cas, entre le fait que j'ai terminé le châle Chantal, alors justement, revenant au châle Chantal avant d'enchaîner avec le crochet, voilà des trois écheveaux ce qui me reste. Alors, je vais prendre ma petite balance, mais il doit rester quoi, 2 grammes. Je reviens tout de suite. Alors, petite balance. Alors, c'est pas la balance de précision, mais bon, quand même, on va pouvoir se rendre compte. Allez, 2 grammes. Voilà, il me reste 2 grammes. J'aurais pu faire encore, peut-être, éventuellement, des broderies sur l'arrière ou un petit peu plus sur le devant du châle Chantal. Alors, le châle Chantal, je vous le redis, j'appelle au test.
J'ai pas encore fini l'écriture, j'ai fait l'écriture de la partie tricot. Je vais essayer de finir l'écriture pendant les vacances, la partie crochet et la mise en forme, etc. Que ce soit le plus agréable pour vous, pour les testeurs, testeuses. Et ce serait bien que le test commence le 1er novembre, c'est-à-dire tout le mois de novembre. Voilà, parce que je pense qu'il laisse largement le temps pour faire un châle. Simple, mais quand même assez long à faire. Donc voilà, c'était, je referme la parenthèse du châle Chantal. Je vais derrière moi, vous ne voyez pas, mais vous voyez le haut. Je vais baisser un petit peu. Hop là, voilà. Peut-être comme ça, vous voyez le châle. Comment ça s'appelle? Germaine. Germaine, je lui ai. Hop. Je lui ai agrafé juste le devant d'un haut que j'ai et qui me semble bien large, mais bon, c'est un peu boxy. D'un haut que j'ai crocheté d'après un cours sur Domestika au crochet en crochet 4, 4,5. Ouais, 3,5 pour les côtes, 4 pour le corps et pour certains endroits 4,5 que j'ai crocheté à partir d'un cours, donc sur le site Domestika de Linda. Alors je pense que je prononce très mal. Je vous montre donc le patron Linda Skuja, prononcé à la française. Et j'ai 10 pelotes. C'est une pelote qui fait 50 grammes 140 mètres. J'étais à peu près bon au niveau de la gauge. Et problème, c'est que c'est tous ces petits points pouf là, ça prend énormément, énormément, ou ceux-là, là, ça prend énormément, ou même les côtes, allons-y, allons jusqu'au bout, prennent énormément. Puis de toute façon, le crochet, ça mange beaucoup de laine. Alors cette laine, c'est un mixte 50% acrylique et 50% laine. Que je voulais faire pour ma fille aussi. Donc j'ai fait la taille 4. Et comment vous dire, quand j'ai fait ça, je me suis dit, bon, bah, je vais faire une manche. Puis je vois si au bout de la manche, bah, si j'ai 5 pelotes, c'est bon. Je peux faire l'autre manche et le dos. Parce que le dos, c'est exactement la même chose que ça. Le problème, c'est que quand j'ai fini la première manche, eh ben, j'ai pas fini ma première manche, j'avais déjà mangé mes 5 pelotes. Donc j'ai défait la première manche, qui était. Je commençais juste en fait à faire les ribs, enfin les côtes, parce qu'on va de haut en bas pour la manche, qui se crochette à plat. Et puis je me dis, ben, il manque une pelote, c'est bête, mais il va me manquer une pelote, il faudra faire encore le col, etc. Bon, ben, laisse tomber, je vais tout défaire. Alors j'ai défait là, quand même la manche, et puis j'ai pas défait ça. Ça me faisait un peu mal au cœur de défaire ça. Et puis je réfléchis, je me dis, ben, je vais retenter le coup. Je vais donc garder le devant. Faire le dos que en bride. Je vais tricoter en 4, je vais essayer de tricoter en 4,5. Le dos. Et je vois ce qui me reste. Et ce qui serait bien, c'est qu'il me reste 3 pelotes pour faire les manches. Je pense que là, ça pourrait rentrer. On verra. Hein. S'il me reste 2 pelotes, et ben, je redéferai tout. Donc voilà, au niveau du tricot, voilà, j'ai passé quand même 3-4 jours de façon intensive avec les manches. Et puis voilà, quoi, parce que là, j'ai terminé ça samedi. Ouais, j'ai attaqué ça dimanche. J'ai terminé la manche jeudi. J'ai défait la manche jeudi. J'étais un petit peu dégoûtée. Donc, entre-temps, j'ai commencé un autre projet où je suis à fond dessus. Et je reviendrai pour terminer ce journal créatif 52 et vous montrer cette dernière réalisation au crochet. Alors, je vous dis à tout de suite pour vous. Et puis moi, ben, je vais mettre au boulot. Voilà, nous voilà quelques heures après. Alors, ça ne rend pas grand-chose. Cette chose que j'ai crochetée depuis vendredi ou dimanche, cette chose, je vais le mesurer en direct.
Alors, tac, tac, tac. Eh bien, écoutez, ça va faire 1 mètre sur 1 mètre sur 1 mètre. Ce serait parfait pour comment dire, j'arrive pas, une couverture enfant. Et ce sera une couverture pour égayer un canapé plutôt pour Noël. Alors, je suis pas du tout dans l'ambiance Noël, là, tout ça n'étant même pas encore passé. C'est que après un petit peu la frustration jeudi de ce pull, je vous expliquais, j'avais envie de crocheter et j'avais donc ces deux gros, des gros bouddhas que ma fille m'avait ramené, d'une marque Red Heart. Voilà, j'en avais deux qui s'appellent même Mistletoe Guy. Voilà, c'est vraiment derrière l'inspiration avec le drapeau des États-Unis qui n'est fabriqué que aux États-Unis, en tout cas distribué que aux États-Unis et au Canada. En fait, c'est quand elle se prenait à Walmart, je faisais des vidéos quand j'étais aux États-Unis l'année dernière. Je, oh là là, super, ça faisait vraiment truc de Noël. Je me dis, bah, prends-moi-en, je trouverai toujours quelque chose à faire. Ah, et quand elle m'a ramené ça. Mais alors, c'est du 100% acrylique, mais il y a de l'acrylique agréable, doux, même si ça fait plastique, on est d'accord, on sait ce qu'on a dans les mains, mais on a là, c'est doux, là, c'est rêche. Mais rêche, c'était rêche à crocheter. Je crois que j'ai voulu le crocheter le plus possible, en gros, pour m'en débarrasser, quoi. J'ai commencé, je voulais faire crocheter juste un rectangle. Mais les couleurs se mélangeaient pas bien. Ça faisait vraiment bleu, enfin rouge, vert, blanc, enfin ça faisait vraiment très très drapeau italien et pas du tout Noël. Donc je me dis, je vais faire un immense granit, ça va mieux se mélanger et effectivement ça se mélange mieux. Donc j'ai passé donc ces bobines là, font, et ben je sais même pas combien elles font de grammes. Alors, c'est du médium 4, comme ils disent, 480. Alors, j'ai découpé, j'espère que là j'aurai le grammage. Et oui, 215 mètres, 141 grammes. Donc ça fait 280 grammes de fil. Et puis j'avais un reste de... Enfin, c'est ma fille qui avait un reste de sûrement la même qualité, mais que blanc. J'écoute, c'est pas, mon carrière n'est pas très grand. Ça ferait sympa si je faisais un tour en fait en blanc. Alors c'est ce que j'ai fait, mais je suis pas arrivée. Là j'ai 1, 2, 3 tours. Et sur celui-ci, je n'ai que 2 tours. Donc quand je suis arrivée pour faire l'autre tour, en fait, pour continuer, j'ai vu que j'aurais passé. Donc j'ai commencé à faire des demi-brides. Et puis j'ai vite vu que je n'aurais pas assez, donc j'ai fait des mailles serrées. Et puis j'ai vu que je n'aurais pas assez, j'ai terminé par des mailles coulées. Voilà la petite histoire, où est-ce qu'il est le dernier rang qu'on termine de mailles coulées. Et ben il est là, voilà, pour faire la jointure en fait ici. J'ai terminé par ici en mailles coulées, surtout ce côté-là en fait. Et il me reste 10 cm de fil, quoi. Voilà. En tout cas, je suis bien contente de l'avoir terminé. Et je vais vite le passer justement à la machine à laver pour que cette couverture s'assouplisse. Elle ira sûrement dans l'appartement de ma fille pour égayer un petit peu son lit à Noël. Et après, je pense qu'elle ira dans la voiture pour les voyages de Noël. Et puis elle terminera sur le canapé pour tenir chaud. Alors, vous voyez ? Au niveau largeur, on est bien et ça m'arrive jusqu'aux genoux. Voilà, donc pour se tenir chaud, petite couverture de Noël. J'en avais une qu'elle m'avait ramenée aussi des États-Unis, mais c'était un petit plaid avec des poinsettia. Donc bah, ça complétera la petite panoplie. À Grenoble, voilà, pour la maison de Grenoble. Je suis quand même contente en tout cas. Je suis arrivée à faire quelque chose de ces deux... Alors, c'est pas des cakes, ce sont des pelotes, mais en longueur, comme ça, des gros tubes, un petit peu. Donc, je suis quand même contente d'avoir
de nous avoir fait ça. Donc, écoutez, je vais vous laisser là pour face caméra et je vous mettrai à la suite, avant de clôturer cet épisode, des photos, des explications pour la teinture de l'avocat, parce qu'une personne m'a demandé un tuto. Alors, il en existe des tonnes. Moi, je ne pèse rien, je dose rien, mais en tout cas, là, je suis en train de la faire, la teinture. Ça prend du temps parce qu'il y a des décoctions. Après, il y a des... Bon, voilà. Donc là, je vais teindre mes 50 grammes de laine. Et puis voilà. Et puis, je vous montrerai le résultat la prochaine fois, bien que vous ayez déjà vu le résultat la fois précédente avec mes petits écheveaux. Mais là, c'est pas la même laine, c'est pas les mêmes avocats, c'est pas la même eau. Enfin, il y a beaucoup de facteurs qui rentrent en jeu. Donc, soit je fais des photos et puis je fais ma voix en arrière, soit je vous mettrai un petit texte. En tout cas, c'est tout de suite pour vous. Eh bien, je vous laisse là et je vous dis très bientôt. Je ne sais pas quand, c'est pas régulier. Vous voyez, là, je suis en ébullition, on va dire, mais... ça va se calmer, je vais avoir de la visite, et puis il va y avoir les vacances, les déplacements, donc ça va un petit peu moins vite. Allez, je vous laisse, à très bientôt pour un prochain journal créatif. Prenez soin de vous, très vite.